Bonjour à tous. Donc, nous vous accueillerons dans le cadre des Journées du patrimoine le dimanche 18 septembre. Donc, voilà, nous sommes fiers, l'Association du Renaissance du patrimoine, de vous y accueillir et de vous offrir un spectacle, un concert gratuit à 11h avec la chorale Damiano. Ensuite, toute la journée, nous ferons des visites guidées pour tout le monde, gratuites, donc à 10h, 14h, 16h, et plus s'il y a du monde à la demande. Voilà, donc un apéritif sera offert donc à midi pour ceux qui seront là et qui veulent bien discuter avec nous et venir nous voir. Et nous vous parlerons de nos projets qui seront en cours, dont notamment un voyage à Cordes le 15 octobre, dont nous vous donnerons tous les renseignements. Voilà, donc le spectacle se déroule devant l'abbaye, au parc de, à l'entrée, en rentrant. Voilà. Et des animations se passeront aussi dans le parc devant, offertes donc, par la municipalité en accord avec l'association. Je passe la parole à Martine Verdu maintenant. Merci. Oui, tout ceci se passe bien sûr dans le cadre de notre magnifique abbaye du XIIe siècle, la Clarté-Dieu. Oui. Et les spectacles seront accordés avec cette époque médiévale puisque nous avons prévu, outre ce que fait l'Association du patrimoine avec le concert et des visites guidées, des jeux médiévaux à disposition des enfants, gratuits, et un spectacle de ménestrel en quelque sorte qui se déroulera à 17h dans le parc de l'abbaye, gratuit aussi. Ce sont deux pantomimes qui racontent une histoire en bougeant énormément. C'est amusant et c'est très gai. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à tous, sachant bien que cette journée est organisée à destination de tous les publics, que ce soit les gens qui aiment la musique, les enfants, les plus âgés pour le patrimoine en lui-même. Donc nous vous donnons rendez-vous à tous les Aunois et plus, évidemment, si vous le souhaitez, dans notre abbaye, le dimanche 18 septembre, de 11h à 18h.